Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis Michel pour ceux qui sont nouveaux par ici et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques recettes d'hiver incontournables. Je vous conseille vraiment d'essayer ces recettes et me dire en commentaire ou venir me trouver sur Instagram pour me dire ce que vous avez pensé, mais je vous assure que vous allez juste les adopter chez vous. C'est des must-have pendant l'hiver comme ça et même dans les pays chauds parce que je sais que je suis pas que suivie au Canada ou en France, donc même dans les pays chauds, vous pouvez les faire. C'est vraiment des repas idéaux pour la famille et aussi vous pouvez mettre dans les boîtes à lunch des enfants. Donc là, j'étais juste au frigo en train de retirer tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir effectuer ma première recette. Et remercie infiniment ceux qui me suivent depuis le départ sur cette chaîne YouTube. Vraiment, je vous suis infiniment reconnaissant. Surtout, n'hésitez pas à me partager vos astuces que vous adoptez chez vous en commentaire parce que comme je vous ai dit, ici, c'est une chaîne de partage. Je n'ai pas la science infuse. J'en prends de vous comme vous apprenez de moi. Donc, surtout, si vous voyez dans mes vidéos, si vous pouvez me partager des astuces pour que je puisse mieux m'organiser, que je puisse mieux faire ce que je vous partage déjà, je suis preneuse. Donc, surtout, n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire vos astuces, vos idées recettes aussi parce que vraiment ça me fait plaisir d'apprendre de vous comme vous vous apprenez de moi et c'est comme ça qu'on partage parce que personne ne connaît tout. Après avoir mis de l'eau à bouillir pour cette recette, vu qu'on va sur du bouillon de légumes avec de la viande en boulette, je vais venir laver mes légumes. Pour cette recette, j'aurai besoin du céleri principalement et des carottes. Moi, j'achète mon céleri au Samy Fruits et lorsque je l'achète, je ne le lave pas. C'est lorsque je vais faire des recettes comme aujourd'hui que je vais venir retirer la quantité dont j'ai besoin. Puis, je vais laver et je vais mettre le reste au frigo. C'est clair que le reste sur ce céleri-ci avait touché un peu d'eau, mais je vous conseille de ne pas le faire parce que lorsqu'on lave le céleri avant de le conserver, il se gâte beaucoup plus vite. Donc, ce céleri-ci, je sais que soit le reste va aller au congélateur, soit je vais devoir l'utiliser dans les jours qui viennent. Mais ce qui est intéressant, c'est un légume que les enfants mangent avec du houmous. Donc, je peux mettre ça dans leur boîte à lunch et je suis sûre de ne pas perdre ma botte de céleri. Ensuite, je vais venir nettoyer les carottes et aussi retirer la peau. Je vais peler la peau, puis on va les découper. Cette recette, c'est vraiment un must-have. Regardez jusqu'à la fin, vous allez beaucoup l'aimer. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur cette chaîne, je me présente, je suis Michel. Et sur cette chaîne, je partage avec vous ma vie de maman, de l'organisation, de la motivation au ménage, plein de recettes, de la décoration, surtout des astuces organisation. Donc si jamais c'est un contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager à continuer et surtout vous proposer toujours de belles vidéos YouTube. Aussi me laisser un petit like et un petit commentaire. Comme vous le savez, les commentaires et les likes permettent à YouTube de mieux référencer mes vidéos. En fait, vos commentaires et vos likes jouent un peu le rôle du bouche à oreille. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez déjà regardé la vidéo jusqu'à ce niveau-ci. Mettez une pause ou surtout, allez me laisser un petit like, un petit commentaire. Ça me fera vraiment plaisir. Alors là, j'ai commencé par découper tout ce qui est oignon. Bah, c'était la seule chose que j'avais à découper. J'ai découpé le céleri hors caméra. Pareil pour les carottes, vous pouvez les découper gros comme petits. Moi, avec les enfants, je préfère les découper petits pour qu'ils aient vraiment le goût de manger ça comme ça. Et après, je vais mettre un petit filet d'huile. Je suis allée sur de l'huile d'olive, mais vous n'en avez vraiment pas besoin. C'est comme vous voulez. J'ai mis un petit filet d'huile d'olive dans la poêle et je vais venir mettre mes oignons. Je vais venir rajouter les carottes et je vais rajouter le céleri. Je vais laisser ça un peu saisir, juste le temps de tourner un peu. Puis, je vais rajouter le poivre blanc et du sel. C'est vraiment tout pour cette recette-ci. Vraiment, ne la compliquez pas. Il n'y a pas d'épices compliquées à mettre là-dessus, comme je vous ai dit. Et je vais aussi rajouter de l'ail. Surtout, on n'oublie pas l'ail. C'est important pour tout ce qui est recette bouillon et tout ça. Donc vraiment, cette recette-ci, moi, je la fais en hiver. Je vais souvent faire en quantité et mettre au congélateur. Je vous le conseille aussi si jamais vous essayez cette recette. Je vous conseille de faire en quantité. Ça peut dépanner un soir lorsqu'on ne veut pas faire à manger. On sort une petite quantité, on chauffe, on mange et puis c'est parfait. Après avoir bien saisi mes légumes, je vais venir rajouter le bouillon de légumes. C'est un bouillon que j'achète comme ça en magasin. C'est clair que c'est pas vraiment conseillé. J'essaye de prendre ceux qui n'ont pas beaucoup de sel. Je réfléchis à commencer à faire les miens très prochainement. Mais si j'y pense, je vais vous mettre les vidéos, ça c'est sûr. Et là, c'est un fond de poulet que j'avais fait. En fait, j'avais cuit du poulet et j'ai gardé le fond avec lequel j'assaisonne mes bouillons. Comme ça, ça m'évite d'utiliser le cube dans mes repas. Puis, je vais venir mettre l'eau que j'avais chauffée au départ. Je vais juste couvrir et laisser bouillir quelques instants.
quelques minutes plus tard, je vais venir rajouter les pâtes. Si jamais vous faites cette recette pour en quantité pour conserver et mettre au congélateur, je vous conseille vraiment de faire uniquement la soupe et ne pas mettre les pâtes à l'intérieur. Et lorsque vous les mangez, vous faites bouillir quelques pâtes que vous allez juste faire la soupe et verser dessus. À ce moment-ci, je goûte pour vérifier l'assaisonnement parce que c'est vraiment conseillé d'assaisonner le tout avant de rajouter la viande. Comme pour viande, j'ai opté pour des boulettes de viande. Ce sont les boulettes que j'avais faites en décembre. Je vous avais mis la vidéo. Si jamais, je peux vous la mettre en i ou dans la barre d'infos. Vous allez aller regarder cette vidéo-là. Donc, c'est à peu près tout. À ce moment-ci, je vais encore laisser un peu bouillir. Pour les pâtes, il faut les cuire al dente parce que vu que c'est une soupe qui est chaude, une fois qu'on va éteindre le feu, ça va continuer à bouillir. Donc, ne pas trop laisser cuire les pâtes. Il faut vraiment les cuire et les laisser encore un peu dures. Et je vais venir rajouter des épinards. Vous pouvez mettre des épinards, vous pouvez mettre des kale, vraiment les légumes verts de votre choix, mais je préfère vraiment, moi, à chaque fois que je fais cette recette, je rajoute soit des épinards, soit du kale. J'avais acheté ce paquet d'épinards au Costco, je l'ai mis au congélateur comme ça, et une fois, je vais venir mettre ça dans ma soupe, je vais fermer et je vais éteindre le feu. Comme vous savez, les épinards n'ont pas besoin de cuire très longtemps, donc là, une fois que j'avais mis, j'ai éteint le feu, j'ai fermé, et c'était vraiment tout pour cette petite recette. C'est vraiment goûteux, surtout, n'hésitez pas à l'essayer et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this other fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this other fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn it on. Ce jour, comme dessert, j'avais opté pour l'ananas et je vais utiliser tout ce qui est peau d'ananas pour me faire une tisane. Donc là, j'ai mixé le tronc de l'ananas, la petite tige qui est au milieu de l'ananas, que je vais verser dans une marmite dans laquelle j'avais déjà mis les peaux d'ananas que j'ai préalablement bien lavées avec de l'eau. Et je vais rajouter aussi du clou de girofle. Je vais laisser ça bouillir pendant environ 20 à 25 minutes. Et pendant que ceci est en train de bouillir, je vais aller me servir pour manger et je vais vous présenter le plat. Voilà un peu à quoi ça ressemblait. Laissez-moi vous dire que cette soupe-ci, elle est finie en un seul jour parce que les enfants, ils ont pris comme deux bols chacun, monsieur aussi, moi aussi, donc on était quatre, mais c'était vraiment très bon parce que ça passe vite, c'est la soupe, donc ça descend assez vite, on ne s'en rend pas compte qu'on mange en quantité. Après avoir mangé ça, chacun allait prendre une belle sieste. Pour relever le goût, je mets un peu de fromage émental dessus et voilà, c'était tout pour cette petite recette. Côté de notre tisane, on va juste laisser ça mijoter. Comme je vous ai dit, je suis allée manger pendant que ça mijotait. Ensuite, je vais tamiser et mettre dans des bouteilles que je vais mettre au frigo. Et à chaque fois que chacun veut boire, il va juste se servir, chauffer au micro-ondes et mettre un peu de miel. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe. On passe à notre seconde recette. Vraiment, cette recette, c'est la recette de la flemme. Lorsqu'on ne veut pas réfléchir à quoi manger, mais on veut manger à la maison sans forcément aller au resto, surtout lorsqu'on a des ingrédients comme la pomme de terre à la maison, on peut faire ceci. Donc, comme vous avez vu, j'ai pris mes pommes de terre, je les ai pelées et là, je vais les tremper dans de l'eau afin de retirer un peu d'amidon. J'essaye toujours de nettoyer derrière moi lorsque je fais à manger, mais sans vous mentir, parfois je suis en train de faire à manger et il y a un gros mess-up au niveau de l'évier. Mais là, je me suis dit, il faut que je nettoie au fur et à mesure, comme ça, je ne reviens pas à la cuisine après avoir fait à manger. Donc, je vais essayer de découper les pommes de terre vraiment de manière pas très mince là, parce que si vous les faites trop minces, ils vont brûler, mais vraiment faire des mince rondelle et ensuite on va pouvoir venir les assaisonner. Pour assaisonner les pommes de terre, j'ai rajouté un peu de sel
et du paprika, et là, je vais venir mettre mon épice favorite, puis je vais rajouter de l'huile. C'était de l'huile que j'avais utilisée pour faire frire les plantains la veille, donc pour ne pas jeter l'huile, j'ai décidé de mettre juste la petite quantité qui restait sur les pommes de terre. Je vais venir bien mélanger afin d'imprégner chaque pomme de terre des épices que j'avais rajoutées, puis je vais venir disposer ça sur mon plateau sur lequel j'avais mis un papier sulfurisé pour pas que ça colle ou que ça brûle, bien que vous allez voir après la cuisson que ça ceci est un peu brûlé. J'essaye de disposer de la meilleure des manières sur mon plateau, donc vous allez voir que j'ai un peu pris de temps à classer ça pour que chaque pomme de terre ait un peu de place sur le plateau, surtout qu'après je vais venir étaler un peu de poulet dessus. Donc une fois que j'ai bien disposé ça sur mon plateau, je vais mettre au four, sachant que j'avais déjà allumé le four que j'ai mis environ à 280 degrés. J'avais allumé dès que j'ai commencé à peler les pommes de terre pour que le four soit déjà chaud lorsque je vais venir mettre les pommes de terre. Ensuite, je vais venir griller un peu de blanc de poulet. J'avais déjà assaisonné avec un peu de moutarde, un peu de sel, de l'ail en poudre et du poivre blanc. Donc une fois que je vais bien griller ça, je vais déposer sur le côté. Ensuite, on va retourner à nos pommes de terre. C'est clair que ça a pris un peu plus de temps. Je pense que ça a pris environ 20 minutes. Comme vous avez constaté, c'était un peu grillé en bas, mais c'était mangeable. C'était pas grillé au point où c'était amer. Donc je vais venir verser mon poulet dessus, mais avant je me suis rendu compte que j'avais quand même un gros plateau pour la petite quantité de poulet que je voulais. Donc je vais essayer de tasser un peu les pommes de terre au centre du plateau sur lequel je vais venir verser mon poulet que j'avais pré-cuit, et ensuite je vais venir verser le fromage. Donc c'est à peu près ça. En fait, je vais vous dire que cette recette, c'est un peu comme des nachos, mais à la place des chips de tortilla en bas, on va venir mettre des pommes de terre qu'on a cuit au préalable, et c'est vraiment très bon. C'est un plat qui est très simple, ça se fait plutôt rapidement si jamais vous êtes dans le rush, et vous savez, les enfants, c'est qu'il y a du fromage, ils aiment vraiment. Monsieur aussi, il a vraiment apprécié. Donc faites la recette et vous me dites en commentaire ce que ça vous a donné. Je vais mettre ça au four en mode grill environ 10 à 15 minutes, mais ce soir-là, je suis allée chez ma belle-sœur pour prendre les enfants, donc ça a fait plus de temps que prévu. Vous allez d'ailleurs le voir au résultat que ça avait un peu grillé plus que prévu, mais c'est pas grave, on avait mangé et c'était très goûteux. Alors la famille, c'est ici que s'achève la vidéo du jour. J'espère vraiment que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire l'émoticône du fromage. C'était un plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Sur ce, prenez soin de vous. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!